Hey, salut l'internet, c'est R70. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout pour une nouvelle émission nommée Le jeu du mois. Dans cette émission, je vous présente un jeu qui sortira au courant du mois qui suit. Ce jeu ne sera pas forcément connu, ce sera juste un jeu qui me plaît. Je pense aussi faire une interview d'une personne qui lui aussi vous fera découvrir un jeu. Ce mois-ci, il n'y en aura pas car je n'ai pas eu le temps. J'espère que ça vous plaira et intro! Aujourd'hui, je vous présente un jeu nommé Parkitect. Dans le même style que Roller Coaster Tycoon 3, même si moins basé sur les graphismes et plus sur la gestion. Il coûte 15$ sur son site officiel, qui est évidemment dans la description. Il est disponible sur PC, Mac et même Linux, et il sera disponible sur Steam le 5 mai. Alors, parlons un peu du jeu. Vous dirigez et construisez un parc d'attractions. Vous l'améliorez en construisant des routes, de la décoration, des montagnes russes et même d'énormes manèges. Ce que je trouve intéressant, c'est comme vous le voyez dans les images, de pouvoir utiliser des bâtiments déjà disponibles dans le jeu pour ceux qui préfèrent la gestion, et pour les plus créatifs d'entre vous, tout est personnalisable. Vous pouvez terraformer en construisant des lacs, des montagnes, etc. Il y a plusieurs biomes disponibles et plusieurs climats. Donc, passons à la gestion, qui est une grosse partie du jeu. Vous gérez votre argent, des boutiques, des attractions, il vous faudra même gérer le personnel de maintenance et d'animation et les livreurs. Parkitect est un jeu plutôt intéressant, car aussi basé sur la communauté. Par exemple, quand vous n'avez pas d'idée, des modèles construits par les joueurs sont téléchargeables. Cela vous permet de mettre des choses magnifiques dans votre jeu sans beaucoup de travail. Le jeu est entièrement modable. Et différents contenus sont proposés par les créateurs. Par exemple, les images que vous voyez ont été réalisées grâce au mode timelapse. Et voilà, j'achève ici ma présentation. Si vous voulez en savoir plus, la description est votre ami. Et à bientôt pour un prochain jeu du mois.